Donc là, on va vous présenter le Beaujolais Village Blanc, donc cépage chardonnay, qui est donc tout vendangé manuellement et qu'on vinifie donc à basse température sur des fermentations alcooliques assez longues pour obtenir un maximum de finesse. Donc sur le blanc, on est plutôt sur de la finesse, de la recherche de précision, quelque chose de gourmand, vin d'apéritif ou sur des poissons grillés. Donc comme je le disais, c'est 100% chardonnay. On est sur une teinte or pâle, donc on est sur des pressurages pneumatiques. L'idée, c'est de chercher quelque chose de très précis, de très pur. Aucun élevage fût, donc on est sur un chardonnay vraiment gourmand, plutôt un chardonnay de plaisir. Au nez, on est toujours sur des notes très florales, fleurs blanches, fleurs d'acacia, sur des maturités assez belles, mais pas trop pour ne pas avoir de lourdeur sur le vin. Au niveau de la bouche, on a une attaque qui est très fraîche, très franche. On retrouve ces notes florales, gourmandes, avec quelques touches anisées, mais très très fines, avec une belle longueur. C'est un joli vin pour faire des apéritifs ou sur certaines viandes, enfin sur certains poissons grillés, choses assez simples.